tu dis, moi j'ai le recul français et tout ça, mais le retour des autres. Bah écoute, moi j'ai toujours. Personne m'a dit que j'étais pas française. Hein. Je mets. D'accord. Est-ce que c'était ça l'important à l'époque ou est-ce qu'on te demande. Il n'y avait pas aussi des questions que moi j'ai eues, hein. C'était. T'es d'où? Ah oui, moi bah ça. Mais tu sais, c'est la couleur de peau, c'est l'accent. Tu vois, tout de suite, t'as un accent du sud, on va te dire tu viens d'où, voilà, parce que tu vas parler un petit peu. Et toi, t'avais des réponses? Moi, c'était bizarre parce que justement, il y avait souvent cette question qui revenait. Et à un moment, ça m'a un peu frustré parce que j'avais rien à raconter. Donc oui, j'arrivais à dire je suis de la Réunion, ou mes parents sont de la Réunion. Mais après, eux avaient des histoires à raconter sur ses origines. Moi, j'en avais pas, en fait. C'est plus dans ce truc-là, en fait, que... Il y a quelque chose d'autre, mais tu peux pas en parler. Enfin, tu sais pas en parler, en fait. C'est plus ça, donc... Tu te mets un peu de côté parce que... Quoi, tu savais pas le dire, tu savais quand même que ton père était d'origine... Oui, maman, je répondais à cette question, ça je peux le dire, mais qu'est-ce que la Réunion? Pourquoi mes parents sont ici? Pourquoi... Ça, je découvre personne. Mais tu la connais, cette histoire, toi? Pourquoi tes parents sont ici? Enfin, on t'en fait naître en France? Bah parce que... Ils sont nés en France, ils... Elle est venue pour ses études, son travail... Et qu'elle y est restée, la peau. À présent, l'histoire m'a été racontée. L'histoire d'un départ en 1969 d'une mineure de 18 ans. L'histoire d'une migration organisée, celle vécue par mes parents, mais également par des dizaines de milliers de Réunionnais. Je suis allé à la rencontre de plusieurs de ces migrants qui ont franchi l'océan sous l'impulsion de l'État français. Je découvre une histoire encore méconnue et encore douloureuse. L'histoire, ou les histoires, d'une jeunesse réunionnaise déboussolée à qui on a séché tout espoir de développement au pays natal. Toute une génération qui a suivi le même trajet quasi imposé vers une promotion sociale mystifiée. Toute une jeunesse à qui on a montré l'exil vers la France comme l'unique solution. Beaucoup m'ont dit qu'il faut laisser le passé où il est et qu'il faut tourner la page. Mais pour tourner la page, faudrait-il qu'elle soit écrite? J'ai tenté de dépoussiérer les mémoires, de recueillir ces histoires et construire un récit dans le but d'ouvrir une porte qui mène à l'histoire à faire. Je ressens le besoin de questionner et la nécessité de retranscrire. Et de ces traces de la mémoire, reconstituer un trait de l'histoire pour que le poids du passé se fasse plus léger que celui du silence. Il était une fois, donc... Il n'y avait pas le choix. À partir du moment où... où tu as passé le concours, tu l'as réussi, il fallait rejoindre la métropole. D'accord. Et non, à l'époque, il n'y avait pas, on ne proposait pas de formation à l'époque. Nous, par exemple, la Poste nous avait dit un stage de 5 ans. Et après, pour nous, tu vas pouvoir faire un stage de 5 ans, après on rentre. Mais le stage de 5 ans, ça se transformait en 10, 15, 20 ans. Il n'y avait pas de stage, on arrive là-bas, ce n'est pas un stage du tout. On travaillait là-bas. Moi, comme je ne pouvais pas, on m'avait dit, si je passais le concours,
on m'a dit, si vous passez le concours, vous serez obligé d'aller en France parce qu'il n'y a pas de travail ici. S'il y a un poste de titulaire disponible, on fait venir quelqu'un. Alors, j'ai dû aller dans un bureau, mais je ne me souviens plus ni où, sans doute à Saint-Denis, hein. Mais où exactement, je ne sais plus. Toujours est-il que c'était relativement facile, puisque quand j'ai dit que je voulais partir faire des études en France, on m'a demandé quoi ? On m'a demandé mon niveau. Et ben voilà, et on m'a trouvé un centre d'accueil. Hein. Le voyage était payé par le Bumidrama, là c'est le Bumidrama qui s'occupait. Le voyage était payé et on était pris Moi, s'occuper de nous pendant 2-3 mois, quoi. Et ils nous trouvaient le travail. Et quand Madimi voulait pas aller en France, et là, le responsable de l'école a dit, nous étions 2-3 à pas vouloir venir. Et là, elle a dit à nous comme ça, ben, écoutez, vous arrêtez vos conneries, on fait passer un mot chez tous les industriels de Lille et vous ne serez pas embauché, vous ne trouverez pas de travail. C'était vrai qu'on a un droit de travail, n'a pas trouvé, quoi, malgré notre diplôme de l'école, quoi qu'elle était à l'école côté, quoi. Donc, que ça l'a fait, donc il dit, bon, bah, allez, nous va aller quand même, quoi, parce que reste là-bas. Là-bas, l'époque était en 74, n'avait point d'assistance, papa n'avait point de travail, il était malade, et dans ce temps-là, il n'avait, le parleur n'était pas, c'était dire, il était recruté de monde pour Simca, il était recruté de monde chez Peugeot, il était recruté de monde pour la poste, tout ça. Bonnes oreilles, tu ne veux pas faire la poste, facteur, bonnes oreilles, tu ne veux pas faire ça dans les années 70, hein, parce que tu venais, tu trouves ça, bien ça. Ça n'a pas travaillé pour nous, quoi. Bon, par exemple, à une époque, je me rappelle, il y a toute une bande qui est partie, dont le gars qui était mon petit copain à l'époque. Ils sont partis pour travailler chez Simca Chrysler. Eh bien, pour nous, c'était bien. C'était ce qu'ils avaient à faire, parce qu'ils n'avaient pas d'avenir à La Réunion. Ils ne faisaient rien, ou bien alors, ils travaillaient comme manœuvre, ici et là. Celui qui partait était valorisé. Ça, c'est vrai. Les mères éclataient en sanglots à l'aéroport, tout ça, mais c'était bien de partir. Oui, mon garçon, c'est bien, tu pars, tu vas faire ta vie, tu vas devenir un homme. Et en plus, là-bas, en France, ils profitent, ils grossissent, et tous les biens. C'est-à-dire qu'on n'avait aucune image négative de la France. Et ceux qui disaient que ça ne se passe pas bien, ils veulent revenir et tout, on pensait qu'ils étaient idiots, ou bien que des gens qui ne savaient pas saisir leur chance, etc. C'est-à-dire qu'on écoutait quand même pas très bien ceux qui disaient que ça se passe mal. D'ailleurs, il n'y en avait pas beaucoup qui disaient que ça se passe mal. Les gens, en général, ils le cachaient. Il y a eu un attrait. Il y a une fée qui est passée, quoi, tu vois, qui a fait croire que là-bas ça allait être meilleur, ça allait être, comme c'était pas rose aussi ici. Pas rose ici. Puis il y avait aussi sûrement un truc déclencheur, c'était les politiques ont très vite compris qu'il y avait un taux de chômage, il y avait un taux de. Au lieu de développer, au lieu d'essayer de trouver des solutions, allez, on vide le truc, quoi, tu vois, on fait. Mort, comment on dit ça, on vide l'île, quoi, tu vois, on vide l'île, c'est sa force, tu vois. 72 km de long, 51 km de large, 370 000 habitants, 200 000 tonnes de sucre par an, 90 000 travailleurs, 5 sociétés sucrières. Un grand bec, les dépelles me lancent, mène à poète en thèse, boutons à tête. Stine la tête, les secs, le tavern un grand bec, les dépelles me lancent, mène à poète en thèse, boutons à tête. À terre, en l'air, en l'air, les diables n'en accadent. J'ai connu une enfance sans électricité, sans eau potable. Mais quand j'avais moins de 10 ans, c'était vraiment. Tous mes camarades à l'école étaient pieds nus. Hein. Moi, en tant que fils de commerçant, j'avais des savates. Mais bien souvent aussi, marcher pieds nus. Hein. Non, c'était vraiment une période matériellement très très difficile. Mais socialement, c'est différent. Hein. En fait, on ne ressentait pas cette misère.
Dans la rielle raquette, nana, petite forme de bois violent. Chacun avait un petit bout de terre, ou chacun avait la famille qui avait un petit bout de terre, donc on crevait pas de faim. C'était la seule différence. Hein. C'est-à-dire que les gens ne mouraient pas de faim, mais par contre, pour le reste, c'était la misère. On allait laver le linge avec ma mère qui portait sa cuvette sur la tête dans la rivière Saint-Jean. Donc on y allait le matin, on pique-niquait, on allait boire le café chez l'une, chez l'autre, et on revenait. Bon, c'était pour un enfant, c'était le paradis. Hein. Bon, la misère, ça ne me concernait pas trop à cette époque-là. Mais je crois qu'aucun d'entre nous n'en a souffert, vraiment. Parce qu'en fait, on était tous comme ça, et puis voilà. Alors, si tu veux aller dans le fond des choses, tu as d'un côté Debré avec les partis contre l'indépendance, et tu avais de l'autre le parti communiste avec Vergès, Paul Vergès en tête, qui voulait l'indépendance. C'était du folklore parce que chacun faisait ce qu'il voulait. Il y avait beaucoup de fraude à l'époque. Pour une simple raison, c'est qu'on ne pouvait pas contrôler. Il y avait une bonne habitude qui fait que quand il y avait les élections, on ne pouvait pas aller voter ou on nous empêchait d'aller voter. Quand je dis nous, je ne parle pas de moi particulièrement, je parle d'une partie de la population, que ce soit dans un sens ou dans un autre. Je vis quand même dans une maison où j'ai vu mon père arriver dans le coma. Il avait été battu dans des élections précédentes. Et moi, mes parents nous emmenaient partout dans les meetings politiques. Je vois aussi énormément de répression pendant les élections. Et quand Debré arrive, c'est aussi... en fait, une meilleure organisation de cette répression. Il y a eu vraiment violence politique pour que les communistes soient virés. Donc c'est un complot qui a dû être monté déjà dès 59, de Gaulle choqué par cette majorité d'autonomistes coco, et d'autre part, le fait que Debré n'avait plus rien en France. Dans les années 60, une vaste campagne de contraception était lancée dans l'île. À l'aide de la radio et d'affiches, on exhortait les Réunionnaises à ne plus avoir d'enfants, alors que cela était interdit en métropole. En fait de pilules, on avait pris l'habitude d'administrer aux femmes réunionnaises, en guise de contraceptif, des piqûres de dépôt Provera. Ce produit que le Réunionnais appelait piqûre 3 mois était utilisé par les vétérinaires pour stériliser les vaches. Moi, je me rappelle, c'était à l'étang salé. Moi, à ce moment-là, je me restais étang salé, donc il devait être dans les années 70. Et je me rappelle qu'il y avait des femmes qui disaient que tu partais tous les 3 mois faire pique azote. Et c'est après qu'on a su que ces bonnes piqûres-là étaient interdites en France sur les femmes, quoi. Mais que l'été était fait à La Réunion pour expérimenter là-bas. La plupart des femmes qui rentraient à la clinique avaient l'appendicite. Alors, on leur a opéré l'appendicite et en même temps, on faisait la ligature des trompes. Et on a trouvé, d'après témoignage, dans les années 66-67, qui écrivait, qu'on a trouvé des fœtus humains dans le bord de la rivière des Morassins, puisque la clinique avortrice, avec le docteur Ladjad et David Moreau, était dans le coin de la rivière du Mar. On se souvient que pendant ce temps-là, Debré est un fervent opposant de la contraception en France. C'est quelqu'un qui est fermement opposé aux lois pour la libéralisation de la contraception et de l'avortement en France. Mais dans les Outre-mer, et notamment à La Réunion, il va faire en sorte qu'il y ait de la contraception.
Tu te rappelles ces affiches où on voyait là des enfants, 1, 2, 3, 4, 5, assez ! Ça, c'était la publicité pour l'installation du planning familial. Alors, il n'y avait absolument rien sur la Réunion, ça c'est clair. Il n'y avait absolument rien. À l'école, on ne parlait pas créole, sauf quelques fois avec les camarades, mais même c'était rare, parce que les camarades parlaient français. Ça, vous l'expliquez comment ? Ben, c'est-à-dire que je le vivais pas mal dans ce sens où je me conformais à la majorité. Je me masquais, si vous voulez. Une certaine écriture de l'histoire, une certaine vision de la société réunionnaise, entièrement nos ancêtres les Gaulois, une certaine... Donc c'est, pour moi, c'est tout ça aussi. C'est-à-dire que la répression n'est pas simplement une répression politique, c'est aussi culturellement une très forte refus d'une culture réunionnaise. C'est aussi l'époque où, par exemple, pour marcher dans le feu, il faut mettre les drapeaux bleu, blanc, rouge. On commence à avoir des Miss Réunion. Toutes les Miss Réunion sont bien sûr bien blondes et bien blanches, comme il faut. Donc, culturellement, il y a toute une série de choses. Du monde, tu n'oses plus ou vous êtes gueule, quoi. Alors, on a deux, trois trucs, on a deux, trois livres. On a du créole libéré, du créole opprimé au créole libéré d'Axel Gauvin. On a deux, trois affaires, ils sortent, mais pas comme aux Antilles, quoi. Aux Antilles, Bonnin n'avait pas un demeuré, là-bas, quoi. Et Bonnin, il pouvait écrire. Et puis, on avait Césaire, que l'avait travaillé sur le concept de négritude avec Léopold Sédar Senghor. Donc voilà, c'était quand même plus en l'air que nous, intellectuellement. Et nous souffrons encore de ça aujourd'hui, quoi. À cause de cette répression-là, quoi. Quand il prend toutes les têtes du mouvement progressiste, qu'on voit en exil en France, ou en page causée, ou interdit le créole à la radio. Jusqu'à 1980, le créole était interdit à la radio, le maloya était interdit à la radio. On n'avait point l'autorisation faite l'anniversaire de la libération d'esclavage. Parce que justement, c'était étouffé, c'était interdit, c'était mal vu. Mais je ne me rends pas bien compte de tout ça en même temps. Je sais que c'est dans ce mouvement-là que je découvre le maloya et j'entends les réflexions des gens. Où c'est communiste, c'est trop noir, c'est trop sale, c'est trop si, c'est bête, c'est pas de la musique, c'est boum boum. Et au fur et à mesure de mon parcours, nous on se bat, on fait le maloya et on voit bien que les gendarmes ne nous acceptent pas facilement. On voit bien que les maires interdisent le maloya dans leur commune, dans leur théâtre. Et donc c'est tout un combat comme ça. Et puis en même temps, comme je disais, c'est aussi un interdit pas seulement officiel, c'est une autocensure de la part des gens eux-mêmes, parce que eux-mêmes. Conditionnés ou déconditionnés, si on peut dire, par l'inhumanité de l'esclavage, tout ça, par le système du modèle catholique blanc, tout ça, du propriétaire, les gens avaient assimilé l'idée que, de toute façon, il fallait devenir quelqu'un, c'était devenir plus ou moins blanc, plus ou moins catholique, le plus en plus être dans la norme. Et on lui lance de la figure, comme une publicité, l'image de l'Europe, de la réussite, des oreilles de la civilisation européenne qui représente à La Réunion. Mais lui, il a envie de devenir blanc aussi. Frantz Fanon a bien dit que l'avenir du noir, c'est d'être blanc. Eh bien, il se rend compte que c'est ça. Hein. Il va vivre avec cette illusion que lui, c'est un Européen. Et le passé de La Réunion, ça n'intéresse pas, puisque c'est uniquement un passé d'esclaves. Vendredi 7 juin 1963. Journal officiel de la République française, loi et décret. Ministère d'État chargé des départements et territoires d'outre-mer. Arrêté du 26 avril 1963, portant approbation de la constitution d'une société d'État dite « Bureau pour le développement des migrations intéressant les départements d'outre-mer ».
Article 2. Cette société est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Elle a la qualité de commerçant et sera inscrite au registre du commerce. Article 3. La société a pour objet de contribuer à la solution des problèmes démographiques intéressant les départements d'outre-mer. Elle pourra notamment se voir confier des missions de formation professionnelle et de placement de la main-d'œuvre originaire des départements d'outre-mer. Être chargée de faciliter ou d'assurer des implantations à caractère familial. Veiller à l'information des futurs migrants, assurer la sélection professionnelle des candidats, organiser leur mise en route et leur accueil. Éventuellement, créer et gérer des centres d'accueil et de transit. Les premiers jours en France, ben c'est comme tout le monde, hein, c'est la grisaille, le froid, et puis la langue. C'est là où on s'aperçoit que ben, on ne parle pas français. Hein. En tout cas, les gens en face parlent une langue que l'on ne connaissait pas vraiment, même si on l'avait appris à l'école. Mais, les gens dans la vie en métropole ne parlaient pas la langue des livres. Et puis voilà, donc on arrive ici, on arrive en France, on a fait passer à nous, parce qu'on était 12 créoles, on a fait passer à nous une espèce de. Un sas de décontamination. Là. C'est quoi ça? Là, ça nous. 7 jours dans l'endroit, on fait passer à nous un tas de l'examen médical pour voir si nous n'étions pas malades, si nous n'avions pas ça. Je me rappelle même plus tout ça qui fait passer à nous, mais je me rappelle, nous restons 7 jours quand même. Et puis, bon, on a appris les rudiments de la France, quoi. Apprendre à manger des steaks, à s'habiller, à parler au téléphone. Ils nous ont même lâché une fois dans Lyon, tu sais, ils nous ont mis dans un camion fermé, un fourgon. On était une dizaine, on est partis. On habitait à la campagne, hein, 15-20 km de Lyon. Et ils nous ont lâché un par un, tu sais, dans Lyon. Et rendez-vous en périphérie de Lyon, c'est après à Carrefour, qui était. Donc, c'est quand même un truc bien connu, quoi, centre commercial. À Carrefour, on avait rendez-vous à Carrefour, bon, jusqu'au dernier, quoi. Et en fait, tous les jours, moi, j'étais à l'infirmerie, parce que mon pied, d'abord, était pourri, quoi. Parce que moi, on n'avait pas l'habitude de mettre souliers. Là, il fallait mettre chaussures de sécurité tout le temps, quoi. Et donc, tous les soirs, t'es l'infirmerie, boule de méthylène pour soigner le pied, tout ça. Et puis, c'était la fraie, quoi, quand même. Soissons, c'est pas Marseille. Hein. C'est pas le même climat, quoi. Qu'on puisse regarder les gens par un judas. Ça, c'était déjà la première surprise. On avait vraiment l'impression d'être des intrus, alors qu'on avait une liste de gens qui voulaient louer des chambres aux étudiants. Ils voyaient donc, qu'est-ce qu'ils voyaient par leur trou ? Un maghrébin, une négresse. Et la plupart nous disaient, c'est loué, on ne prend plus, etc. Donc on a passé des heures à marcher dans Nice et à chercher notre logement. Et le gars, il se retrouve dans un taudis, parce qu'il y avait aussi des marchands de sommeil. Bon, le gars, il te loue un studio pourri, sans chauffage, sans eau. Parfois, moi, j'ai même habité dans un studio où il fallait aller prendre la douche publique. Parce qu'il n'y avait pas de douche dans la maison. Et le cabinet, c'était à l'extérieur. Et vraiment, j'avais la chance de travailler dans un grand centre de tri. Et le centre de tri avait la douche. Donc, tous les matins, avant de partir à la maison, on prenait notre douche avec la brosse. Tu sais, foyer sur un acotra, les petites chambrettes qu'on avait, on n'était pas mieux logés qu'eux. Ouais. Nous, on touchait 600 et quelques francs par mois à l'époque chez Brandt. C'était 200 francs la chambre. Il y avait une chambre, il y avait un chauffage au charbon. On arrivait, on avait au moins 1 km pour les prendre le bus. Souvent, c'était la neige vers Lyon là-bas. Là, j'ai zappé souvent le travail. Et tous les quatre, on dormait dans le même lit, puisqu'on arrivait à chauffer une chambre. Et la chambre froide, où on mettait tout le linge, des trucs comme ça. Et on vivait tous les quatre dans une petite chambre. Même lui, on dormait aussi le soir. On allumait quand on arrivait du boulot, on allumait notre poêle au charbon. C'était gelé. Pendant une demi-heure, on restait autour du poêle pour le temps que ça chauffe un peu.
On mangeait du cassoulet toute la semaine. Piment, riz, cassoulet. À Crouy-sur-Ourcq, où ne sont admises que des filles âgées pour la plupart d'une vingtaine d'années, on apprend en quelques semaines l'art et la manière de tenir une maison. Couture d'un bouton, repassage, cuisine française courante, utilisation d'une serpillière, propreté sur soi et autour de soi. Tels des grands enfants de la République. Enfin, des abus, on en a vu, mais c'est sûr que tu ne penses pas trop, parce que la première chose, c'était déjà la directrice du centre de Crouy qui nous prenait pour faire son ménage. Ça, c'était clair, parce que, bon, soi-disant, pour nous apprendre à faire des choses, pour nous apprendre à vivre comme les gens vivent, pour nous apprendre, voilà, elle nous faisait faire sa chambre, son lit. Déjà, elle exploitait un petit peu, déjà, je dirais, tout le monde sur place. Bon, moi, un petit peu moins à un certain moment, parce qu'elle a su que, bon, tout mon bébé était juste à côté. Mais il y a des tas de filles, oui, qui allaient faire son ménage, faire sa cuisine, etc. Donc, c'est certain qu'il y a dû y avoir des abus. Moi, je connais que ça, mais pas les autres, parce qu'il y a sûrement d'autres centres. Et nous, dans cette grande bâtisse, où j'apprenais à mettre monsieur à droite, madame à gauche, ou l'inverse, porter le sel de telle façon, porter, servir, etc. J'ai dit, qu'est-ce que je fais là ? J'ai rencontré, il y avait deux trucs donc dans à ce moment-là. Il y avait une grande guerre anti-AGR, anti-originaire des AGR dans les HLM de Paris, où ils refusaient de donner des logements aux originaires des dom-toms. Des affaires comme le racisme, la baissée heureusement un peu dans la société française, mais à l'époque était dur quoi. C'était surtout chez les chantiers qu'on avait une espèce de hiérarchie là. On avait l'ouvrier qui était le bon français qui savait faire, on avait le terrassier qui était arabe, et puis après au milieu on avait deux trois bougnoules qui étaient des AGR quoi, qui étaient des anti-Guyane Réunion. Très vite, c'est mon identité en tant qu'asiatique qui, moi, me pose des problèmes. C'est-à-dire que j'étais considéré comme un asiatique et non pas comme un réunionnais. De toute façon, un réunionnais, ça n'existe pas en France. On va dire qu'en France, on a qu'on plus de chance que d'autres. Mais... Non, mais le réunionnais n'existe pas en France, dans la vie courante. Bon, comme le Congolais n'existe pas, c'est un Africain. Ils ont vu aussi un regard qui était porté sur eux, qui était un regard qui était marqué par l'histoire coloniale. Donc ils ont tout d'un coup, ils ont pu se découvrir à la fin réunionnais, et puis tout d'un coup on les assimile à des Algériens, ou à des Africains, ou à d'autres, et donc de comprendre qu'ils n'étaient pas complètement perçus automatiquement comme des Français, bien qu'ils aient la citoyenneté française. La citoyenneté française ne faisait pas d'eux, automatiquement, aux yeux des Français d'ici, des Français. À des jeunes filles ici que si elle partait, elle allait se marier avec un joli garçon, elle allait trouver un vrai avec un bon emploi, etc. Et lorsqu'elle partait, elle se retrouvait dans une ferme.
dans une ferme, à traire les animaux à 2h, à 3h du matin, à s'occuper de la maison, à un repassage, etc., à s'occuper des enfants, le soir, les mêmes choses, les animaux, et puis après, pareil, ils dormaient dans un réduit, c'est incroyable. Et là, on faisait croire à ces jeunes filles-là que là-bas, c'était le paradis, comme aux jeunes garçons aussi. On avait la rue de Budapest à Paris, derrière la gare Saint-Lazare, des Réunionnaises, des Antillaises. Et là, ils viennent là, à la porte de Belvilliers, on l'avait dit, oh, ils se foutent un pain sur la tête, une serviette, pour qu'on, si un parent y passe, ne reconnaît pas d'autre. C'est-à-dire que si quelqu'un venait aux putes, il fallait d'abord qu'il arrête sa voiture et qu'il vient, et là, il constate que sa soeur ou sa cousine est en train de se prostituer. Ça veut dire que lui aussi, il est client. Donc ben, là, il se serait arrangé, ben, dis pas ça à papa, dis pas ça à maman. Bon, il dit pas, il doit y aller à Hambourg pour se prostituer quand il n'allait pas en Hollande. Les gens ont l'impression qu'ils n'ont plus leur repère. Ils n'ont plus tu vois, toute leur richesse. Toute la richesse, tout ce qui fait leur base, le soubassement de leur maison. Ça, ils sont sur du sable, quoi, tu vois. Et là, l'humidum, là, il faut excuser, quoi, tu vois. Il dit, là, ils volent notre bonne frère, tu vois. Il faut casser notre bonne chaîne, quoi, tu vois. Une fois qu'on était en France, moi, je connais personne qui a été prise en main par un système piloté par Debré. C'est quand on arrivait en France, c'était terminé. Il fallait se débrouiller, quoi. Donc, celui qui réussissait, qui arrivait à se faire une place, qui avait des amis, etc., c'était bon. Mais celui qui l'avait pas, eh bien, il n'y avait rien. Vous aviez toujours un contact avec le ménage de référence, c'est ça ? On a très vite perdu le référent Bubinov. Je ne me rappelle pas qu'on ait eu quelqu'un. Une fois qu'on nous a déposé, on nous a déposé. Je ne pense pas qu'à l'époque on avait un référent vraiment. En tout cas, moi, je n'en ai pas le souvenir. Sauf que on savait que par un biais ou par un autre, Bimilam existait et qu'on pouvait le contacter. Bon, alors après, je ne sais pas comment on aurait fait pour le contacter, mais on le savait, ça. On savait que derrière nous, il y avait Bimilam quand même, qu'on n'était pas comme ça largués. Mais on n'avait pas précisément un numéro de téléphone, le nom de quelqu'un, etc., à qui s'adresser. Trois jeunes qui avaient été licenciés de chez Simca Chrysler à Poissy, qui étaient dans la rue, qui ne savaient pas où aller. Donc je les avais accueillis chez moi pendant 2-3 semaines. Et j'allais avec eux, au Lumidome, pour essayer de faire en sorte qu'ils aient un travail, quoi. C'est là où j'allais avec eux dans la salle d'attente, attendre avec eux. Et j'ai vu comment ça se passait, quoi. Mais c'était vraiment très dur, quoi. Au départ, on voulait donc... contre la maison Debré, en fait, hein, le foyer réunionnais tenu à la maison de la Réunion, rue Gautet, où les gens n'avaient pas la libre expression, finalement. Bon, il ne fallait pas faire de politique, parler de politique à l'intérieur du foyer, évidemment. C'était contrôlé ? Ah, ben, bien sûr, oui. Il y avait des gens, carrément des RG, hein, qui étaient. On n'arrive pas à imaginer maintenant comment c'était contrôlé, fliqué, mais c'était ça la réalité. On est allé dans les foyers qui regroupaient des Réunionnais. Et ceux-là, c'était le Bumidome qui les a fait venir. Ils s'attendaient à trouver un emploi. Ils croupissaient dans les foyers, attendant un emploi, un logement. Beaucoup cherchaient à revenir. Quand il s'agissait de nous faire partir, pas de problème. Mais pour le retour, là, il fallait être patient et... Il fallait devenir fou pour que il te prenne en charge. Je travaillais au Bumidome, c'est-à-dire que j'étais dans les locaux du Bumidome, mais j'étais employée par le Casodome, qui existe toujours. C'est le comité d'action sociale en faveur des ressortissants des départements d'outre-mer. Donc en fait, on recevait les personnes
qui arrivaient, enfin pas tout de suite à l'arrivée, parce qu'à l'arrivée il y avait des circuits qui étaient déjà bon, c'est pas forcément nous qui intervenions en premier, quoi, les gens allaient là où ils devaient aller. Mais après, dans leur quotidien, ils pouvaient avoir des difficultés de toute nature. Hein. On recevait des gens qui avaient besoin d'aide financière, on recevait des gens qui avaient des difficultés dans le placement où ils étaient, comme employés de maison, on recevait des gens, voilà. On faisait quelquefois des rapatriements sanitaires de gens qui étaient ici en difficulté et dont on ne voyait pas trop comment on pouvait faire autrement que de les renvoyer chez eux, hein, parce qu'il y a des gens qui faisaient des réelles déprimes quand même. Hein, cette discussion, il pourra intervenir s'il le désire tout à l'heure. C'est vrai qu'on n'a pas tous le même point de vue. Moi, je suis un peu de la génération d'avant, donc je vois les choses un peu par rapport à mon vécu, quand j'avais ton âge, peut-être un peu moins aussi, hein, par rapport à cette culture que je recherchais, comme disait Aniel tout à l'heure. Mais moi, bon, j'ai grandi à La Réunion, donc je suis très, très imprégné de cette culture-là. Et ce qui me fait un peu défaut, c'est justement le manque de communication, peut-être, que je perçois un peu, je ressens, au sein des communautés réunionnaises. Alors souvent, on met en avant l'aspect pluriel, métissage, multiculturel, en harmonie, etc. Mais par contre, je ne suis pas persuadé qu'il y a une véritable communication chez les Réunionnais même en métropole. C'est vrai. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, moi, je n'ai jamais fait abstraction de ma condition réunionnaise, mais je ne l'ai jamais non plus, mis en exergue, quoi. Je me suis fondue dans la masse, moi. Je suis réunionnaise, certes, comme d'autres sont parisiens ou je ne sais pas quoi, et puis marseillais ou autre, et puis voilà. Je n'ai jamais fait non plus de... Bon, c'est vrai qu'à la maison, on chantait plus Nana Mouskouri que Ziskakan. Lorsqu'on était à la cantine, il y avait des tables d'IA avec les Antillais. Bon, les Antillais, avec Guadeloupéens, Martiniquais, ils étaient une vingtaine, une trentaine là, et d'ailleurs, je les ai emmerdés, je lui ai dit, c'est une volée de corbeaux. Ils parlent tous en même temps, ils parlent ça, et tout le monde parle pas toi. Bah, ils parlent vers l'Antillais. Et nous, on était une douzaine de Réunionnais, et tout le monde parlait français. Et on avait honte de parler très haut. Il n'y avait pas tellement de raison d'être fier d'être réunionnais. L'école ne vous avait donné aucune raison d'être fier. La société ne vous donnait aucune raison d'être fier. Dans les médias, il n'y avait aucune raison d'être fier. On ne vous donnait aucune raison. Vous ne connaissiez pas en général, on ne vous enseignait pas l'histoire de votre pays. On ne vous disait pas que la culture de votre pays était une culture aussi intéressante que les autres. Donc vous n'aviez rien pour en face... d'un Français d'ici qui vous disait « Mais quoi ? Mais nous, moi, j'ai les châteaux de la Loire, Montaigne, Montesquieu, Rousseau, qu'est-ce que tu as, toi ?»
Je savais pas quoi dire. Qu'est-ce que j'allais dire? En plus, cette génération qui arrive ici dans les années 70 ne connaît, mais encore moins, elle ne connaît pas les grands noms, Simandev, Dimitri, le Maloya, enfin, ce qui peut constituer une source de fierté et puis de dire, peut-être que j'ai pas les châteaux de la Loire, d'accord, mais j'ai autre chose. L'UGDF, c'était un peu comme un syndicat. Et là, le Réunionnais qui avait des difficultés, il pouvait venir se plaindre. Bon, premièrement, il y avait un reconfort. Bon, il venait là l'après-midi, on était tout le monde réunis à la salle Jean-Pierre Thibault. Dans ça, il était tellement content de se retrouver entre Réunionnais, parce qu'il était loin de son pays. Il y a eu un procès, même. On a eu un procès parce que, justement, on parlait du Bumidom. On avait dénoncé dans le journal Combat Réunionnais. Le Bumidom négrier. On a été poursuivi. Trafic de chair humaine. Ouais. On a été poursuivi justement pour ça. Mais en fin de compte, la peine n'a jamais été exécutée. Parce que sans doute, ce qu'on a écrit, a été une réalité. On a été condamné, mais je ne me souviens plus de la peine qu'on a été condamné. Mais il n'y a jamais eu exécution de peine. Comment condamner? Le Bumidom était négrier. Il transportait des jeunes. Il l'a emmené dans les usines où il a eu des accidents de travail. Il a eu des morts. Le chair humain, n'y entendez pas chair humaine, c'est les accidents qu'il a eu dans des boucles performées à cette vie, travailler sur les chaînes chez Simca Chrysler n'était pas une partie de plaisir. 82, ça c'est Mitterrand. On a obtenu un peu plus de largesse, hein, dans nos expressions, etc. Concernant le Bumidom, on a dû arrêter avec ça. Lui, c'était terrible, quoi, tu vois. Il vivait dans un caveau au Père-Lachaise. Parce qu'ils ont été protégés. Parce que c'est une vie dure, hein. C'est notre monde. Hein. Même si on a Jim Morrison là-bas, on a fait une réserve de place dans le cimetière. Incroyable, ça. Et c'est un gars envoyé par une maison d'enfants de La Réunion. Tu vois? Quel est le suivi après? Quand ce marmaille-là il devient? On va dire, on n'est pas responsable, oui, quand il arrive à un certain âge. Mais quand un marmaille est tout seul, il n'y en a que où? Comme Zarboutan, il n'y en a que où? Dans les années 60 et 70, la DAS et la préfecture de La Réunion transfèrent en France des milliers de mineurs dits abandonnés ou retirés à leurs parents. La plupart sont confiés à des familles ou des institutions dans plusieurs départements sans retour prévu. Mon prénom initial, c'est Marie-Thérèse Gasme, née à Stella Matutina Piton-Saint-Leu. En 1963. Mis à la DAS 6 semaines après ma naissance, il était dit que ma mère avait 42 ans et qu'elle était malade et qu'elle ne pouvait pas me subvenir à mes besoins. Je suis venue en métropole parce que j'avais des problèmes de santé, donc les intestins. Donc voilà, tout le contenu et le pourquoi et les raisons de mon expédition en France. Pour les informations de ma mère, on lui disait que j'étais partie en France. Donc c'est vrai, j'étais partie en France. Mais pendant que j'étais à La Réunion, on lui disait que j'étais partie en France. Donc elle est partie en France, les recherches, c'est pas facile, quoi. Je connais, et en métropole on connaît.
vos difficultés, vos problèmes. On sait qu'il existe encore ici beaucoup de misère. Au même moment, en métropole, les campagnes se vident. Alors Michel Debré va proposer une solution arithmétique. Envoyer des petits réunionnais repeupler la campagne française et leur offrir du même coup un avenir meilleur. Au total, pendant 15 ans, 1630 enfants réunionnais, âgés de 6 mois à 16 ans, vont être embarqués pour la Creuse, leur point de chute en métropole. Tous sont déclarés abandonnés. Mais il semblerait que dans certains cas, les autorités aient quelque peu forcé la main des parents. Au départ, il s'agissait seulement d'envoyer des enfants orphelins. Mais en 68, le préfet de La Réunion envoie un courrier à Michel Debré, lui expliquant qu'ils ont du mal à remplir les objectifs à cause du nombre de véritables pupilles très limité à La Réunion. Une autre solution serait donc de mettre en place une campagne de conviction auprès des adultes réunionnais ayant la garde des enfants. On a dit aux parents que leurs enfants venaient en métropole pour faire des études supérieures de médecine, d'avocat, d'artiste, etc. Et puis après que tous les ans, ils reviendront en vacances. Les parents ont applaudi d'eux-mêmes, ils ont signé d'eux-mêmes. Mais aucun de ces enfants n'est revenu pour les vacances. C'était comme ça avant. On te mettait, hop, la médaille, et voilà, t'es assistant social, même pas formé. Ces assistants sociaux, quand on leur dit qu'il faut aller dans les familles, voir les problèmes, parce que ces enfants sont à risque pour eux-mêmes, ils sont en danger et tout, eh ben, il y a eu les petits autos, rouges, marrons, noirs, que les gens y voyaient, que croyaient que c'était une légende. On disait, attention, si t'es pas gentil, le petit loto rouge va te prendre, il va t'emmener. Et c'est vrai que le petit loto rouge est emmené. Mais c'était des assistants sociaux qui passaient deux par deux. Un exemple, un gamin qui passait avec un sac en papier et puis une bouteille de rhum dedans, il allait à sa maison, il arrêtait, il se veillait, il dit « Papa, te tape de temps en temps. » Ben, il fout une fessée ou une claque. Ah oui, ben, hop, on prenait le gamin, on l'emmenait, et après on venait voir la famille. Et quand il voyait le truc, il dit « Si vous gueulez, ben, on vous en prend un deuxième. » Et ça, c'est vrai. Quand on nous faisait murater, on disait « Bon, il faut mieux travailler à l'école, en classe pour partir en France et puis voir la Tour Eiffel, prendre l'avion et tout. » Vous dites ça à un gamin de 10, 11 ans, de 9, 10, 11 ans, 12 ans, 13 ans même. Lui qui est violé à la PEP là-bas, qui est violé dans ce foyer, qui est, on lui fait des tas de batailles coques avec lui et autre chose, les grands qui lui prennent son goûter et tout. Pire qu'une prison, on nous fait miroiter autre chose qu'on va avoir le Père Noël en grand, hein, qu'on va avoir. Et ben, qui ne travaille pas en classe, qui ne dit pas, moi je veux aller, comme moi je parlais en France, je ne disais pas en France, je disais en fiance, moi je veux aller en fiance. Hein, qui veut pas aller en fiance, hein? Et ben moi je le veux, le doigt. La décision, ce n'est pas moi qui l'ai prise, c'est un jour, on m'a dit, ben, tu as 18 ans et demi, tu as fini tes études, parce que... J'avais fait des études d'art ménager et ainsi de suite dans ce foyer. Et on m'avait dit, ben, tu vas poursuivre tes études en France. Et combien de temps je vais rester, tout ça. Elle me dit, ben, le temps de faire tes études et puis après tu reviens. Alors je dis, ben, y a pas de problème, si je dois revenir, moi je suis partante. Elle me dit, mais tu es pas toute seule, y en a beaucoup qui vont partir. Et effectivement... L'avion était plein de filles et de garçons de mon âge. Et donc, nous sommes partis, je me rappellerai toujours, c'était le 16 octobre 1966. Hey, yeah, l'avion, maman. Oh, l'avion, papa. Hey, yeah, l'avion, la maman, mon frère. Hey, yeah, l'avion, maman. Oh, l'avion papa, et l'avion la main, mon frère. Et l'avion la main, mon frère. Et l'avion la main, mon frère. Et l'avion la main, mon frère, maman. Et l'avion la main, mon frère. Et d'invitation, mon enfant, toi, ma la réunion. Tout bat bataille la soubaté. 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 Gouvernement français, elle va prendre la partie ensemble. Gouvernement français, elle va prendre la partie ensemble.
Et on arrive après un voyage épouvantable dans le train. On roulait, on ne voyait plus finir. Ça défilait devant nous. Et on arrive à Guéret, dans la Creuse. Alors là, vraiment, j'ai dit, ça y est, c'est fini. Tu verras plus ton île. Et moi, je suis restée donc 15 jours dans ce foyer. Et au bout de 15 jours, il y a quelqu'un qui est venu me chercher, m'a dit, ben voilà, vous allez partir chez cette famille. Je dis, ben pourquoi faire ? Me dit, ben vous verrez bien. Et voilà, on m'a embarqué et puis on m'a emmené dans le Jura. Et donc, j'ai travaillé comme employé de maison pendant un an chez ces gens-là. Quand on arrive là-bas, bon, on est fatigué, d'accord, on voit la neige, on est content parce qu'on n'a jamais vu de la neige. Puis moi, je suis arrivé où c'est qu'il y avait un pommier dans la cour, j'avais jamais vu de pommier ni de pomme, alors je me suis sauté sur les pommes. Et puis 15 jours après, on te donne ta chambre et tout. Bon, 15 jours après, on te fait mettre en rang, et puis il y a des personnes là qui viennent te choisir. On dit, ben celle-là, je vais la prendre parce qu'elle est souriante en tant que fille, parce qu'elle sera bien pour garder mon enfant. Et puis celui-là, il a les biceps comme ça et tout, il est costaud, je vois pour la terre, il sera bien. Guéret, le 23 décembre 1965, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Mon cher collègue, à ce jour, il m'est possible de recevoir 7 enfants, soit 2 bébés, une fille et un garçon sans distinction de couleur, 3 filles de 2 à 3 ans, dont une au moins qui ne soit pas entièrement noire. Deux fillettes d'âge scolaire, dont une au teint mat. Il s'agit là uniquement de placements individuels. Après avoir rencontré quelques difficultés pour faire admettre la couleur des enfants, je pense qu'il sera possible dans quelques temps de pouvoir étendre cette opération. Monsieur le directeur. Quelqu'un qui s'occupait de... Non, j'étais placée chez elle comme bonne, pour travailler pour elle. Et c'est pendant un an, elle m'a exploitée. J'ai pas eu de... rien du tout, pas de congé, rien. Quand tu débarques comme ça en France, tu vas t'adresser à qui? On connaît personne. Juin 1974, dans un centre éducatif du sud de la France, une jeune fille est en train de devenir folle. Les explications sont multiples. En l'occurrence, c'est une jeune réunionnaise qui a été séparée de sa famille, transférée de l'île de la Réunion jusqu'en métropole, c'est-à-dire à 9000 km de chez elle, et elle est totalement coupée de son milieu d'origine, de sa culture, de sa famille, et selon les psychiatres, l'explication principale, ils la donnent, le dépaysement, la déculturation. Pour les 3 Réunionnais qui sont arrivés, on parlait créole. Et mes parents adoptifs se moquaient de nous, parce que là, c'était petit nègre. Je n'ai pas du tout entendu une fois te dire, mais elle parle créole, c'est petit nègre. Donc il y avait tout ça. Donc, ils nous ont mis une imagination, une illusion. On a vécu pas mal dans l'illusion. Et dans l'illusion d'une culture. C'est-à-dire que, ouf, ils nous amenaient à nous faire croire que, ouf, on est mieux en France qu'à la Réunion. Ils parlent petit nègre, ils sont tous dans la misère. Et en fin de compte, mes parents adoptifs, continuer le discours de la DAS, du Bumidom, quoi. Venez en métropole, on va éclaircir votre avenir. De la politique en matière de l'enfance à l'époque, c'était de couper le gamin de son milieu. Ce qui fait que les gamins qui sont arrivés de la Réunion, qui avaient des frères et sœurs, on les a tout de suite dispatchés. Ce qui a eu pour résultat que certains se sont retrouvés 30 ans après, ils étaient dans la même ville. Nous, on a rencontré des frères et sœurs qui disaient, on voyait bien qu'on avait un air de famille chez le boulanger, mais qui se sont reconnus par les textes, retrait d'union connu par les textes, à La Réunion, en découvrant qu'ils étaient frères et sœurs. On m'a dit, ouais, on t'a abandonné, j'ai traîné sous les ponts, j'ai fait pas mal de choses, des suicides, parce qu'à un moment donné, tu sais pas où c'est que t'en es, bon... Même quand tu rencontres des Réunionnais en métropole à l'époque, je m'en souviens, il y a une vingtaine d'années de là, on me disait, t'es pas Réunionnais à merde, toi, je voulais montrer mon passeport et tout, je dis ça, les faux.
Pourquoi? Parce que il ne peut pas en vouloir les Réunionnais comme ça aussi, parce que à travers ça, il ne peut plus me reconnaître, puisque même dans la langue, on a été déporté. Nous-mêmes, enfants de la Réunion, les enfants exilés de l'île de la Réunion, ont quand même c'est plus qu'une blessure, c'est un oubli total, un oubli total. Un oubli historique. Pardon, un oubli historique, total et historique de leurs propres conditions, mais en même temps aussi de leur propre île. Sachez que moi-même, je n'ai même plus envie de retourner sur mon île, car elle a tellement changé, imaginez qu'on aurait déplacé des Lozériens à l'île de la Réunion ou à Tahiti ou en Guyane ou à la Guadeloupe. Repentance. Dans le droit civil, reconnaissance d'une faute ayant provoqué un dommage. Mais moi, je pense, avec le recul par rapport à tout ce qu'on a vécu à l'époque, je pense que quelque part, on nous a fait croire que c'était qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et dans ce sens-là, il y a des responsables. Mais c'est très subtil, quoi. C'est, maintenant, je veux dire, qui c'est qu'on va clouer au pilori? C'est quand même un résultat lointain de la situation coloniale de la Réunion. Il y a vu le bordel, ces gens d'internatage, une société complètement en l'air, complètement foutue en l'air, hein. à cause de ça, quoi. Enfin, c'est je ne sais pas si tout le monde y défend ça, mais en tout cas, moi, je pense que c'est ça, quoi. Quand dans une génération, on craint un déséquilibre démographique comme ça, on ne peut pas fonctionner. Quoi. La déportation de la moitié d'une classe d'âge, c'est-à-dire qu'il y avait 12 000 ou 13 000 de naissances par an à La Réunion, Debray a fait partie à une période de entre 5 et 6 000 jeunes de La Réunion vers la France. Dans ces années-là. Entre 1974 et 1981, 4 000 migrants quittent chaque année définitivement La Réunion. De 1962 à 1981, environ 40 000 Réunionnais sont partis par le Bumidom. Sur la même période, plus de 20 000 nouveaux arrivants viennent s'installer et travailler sur l'île. Mais c'est un crime et c'est un scandale. Parce qu'on a fait partir des jeunes à La Réunion parce qu'il y avait trop de population à La Réunion. Parce qu'on n'avait point d'emploi, parce qu'on n'avait point de logement. Nous regardons aujourd'hui 40 ans après. Nous retrouvons-nous dans la même situation qu'en 1960. On n'a pas assez de logements, on n'a trop de population et on n'a point d'emploi. Ici à La Réunion, ce n'est pas un génocide brutal, sanglant, ni sanguinaire. C'est ce qu'on appelle, là, Césaire l'a dit à un moment, moi aussi je l'ai répété, c'est le génocide par substitution ou le génocide silencieux. On fait aller, on fait venir des personnes. Et faire d'un Réunionnais, d'un insulaire, vouloir faire d'un insulaire un Européen, c'est pas un génocide puisque ça n'intéresse d'abord la personne, mais pour moi c'est un crime contre l'humanité. Ça signifie en fait qu'il y a là-bas acculturation au minimum. Voilà. On prend un individu, on fait des Frankenstein. Le génocide s'entend si un seul des actes ci-après est commis dans l'intention de détruire ou tout ou en partie un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Acte 4, mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe. Acte 5,
transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Le gars, il te dit, on a été déporté. Les gens te disent, c'est un mot trop fort. Je dirais qu'il n'y a pas de mot trop fort, le mot n'existe pas. Pour parler de la faiblesse de quelqu'un qui n'a plus de famille, ou que la famille n'a pas les moyens, ou ainsi de suite, pour le prendre, pour dire, bon, on enlève ça là pour aller là-bas. Il n'y avait pas des gens à La Réunion qui pouvaient encadrer, qui pouvaient jouer ce rôle de famille d'accueil? Il n'y avait pas d'agriculteurs à La Réunion? Surtout qui payaient les familles. Enfin. Voilà, tu vois? Et qui, que faisaient les familles avec ces jeunes? Tu vois? Est-ce qu'il leur a donné une formation réellement? Tu vois? Certains, sûrement. Il y a des familles qui ont sûrement donné des formations. Mais il y a d'autres qui ont profité de cette main-d'œuvre. Tu te rends enfant esclave? Après, on va regarder l'Inde, on va regarder Madagascar, on va regarder les autres pays du monde. Enfant esclave, mais regarde un peu devant notre porte. Depuis 2002, les pupilles déplacées ont déposé plusieurs plaintes et sollicité des enquêtes gouvernementales. En 2013, aucun procès n'a abouti à la reconnaissance des crimes pour lesquels ils demandaient réparation. Moi, je ne fête jamais le 20 décembre. Pourquoi? Parce que je suis encore un esclave. Je ne suis pas affranchi encore. Pourquoi j'irai fêter le 20 décembre alors que je suis encore en grand combat contre l'État pour me faire reconnaître qu'ils ont fait l'esclavage avec moi? Oui, mais maintenant, là, peut-être t'es guéri, maintenant t'es guéri, alors c'est fini, quoi, hein, on n'en parle plus. Mais non, il y a eu préjudice, il va y en avoir d'autres, si je dis pas maintenant. Alors plus tard, on peut recommencer. Non, on arrête maintenant. C'est quand même un grappe, hein. C'est quand même comme il se passe maintenant, ou alors une famille, un enfant qui a été enlevé, et puis qu'on retrouve même plus le corps. Il n'y en a pas moins. C'est notre conclusion dans l'ouvrage, qu'il y a eu un abus total sur les corps. Hein? On a utilisé les enfants comme de la marchandise. Hein? C'était, si vous voulez, de la marchandise, j'entends par là, des cohortes de mineurs qu'on envoyait. Hein? C'était des corps dont la République pouvait un petit peu faire ce qu'elle voulait pour leur bien. Pour ceux qui ont eu du mal à retourner ou qui ont eu du mal, c'est ceux qui ont été internés en psychiatrie, ceux-là, on n'en parle pas. Ceux qui sont morts en psychiatrie, ceux qui sont morts et décédés par suicide, il y en a eu beaucoup, c'est que dans la Creuse, il y ait un mémorial, un petit mémorial, autre chose, sur un mur, autre chose, sur eux. C'est tout. Combien d'enfants? Parce que ça a commencé depuis quand, cette histoire? Moi, c'était en 66. Et ça a continué encore après, je crois. C'est de 63 à 81. Vous voyez un peu la quantité? Parce que c'était des avions et des trains. C'était comme une déportation, quoi. On était là... Tous ces gosses, mais il y en a qui pleuraient. Hein. Ils croient qu'ils ont fait ça pour notre bien, pour la nation, quoi. Alors, ils vont pas s'amuser à nous demander pardon pour les blessures qu'ils ont causées. C'était pas possible. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour vous présenter les excuses de la nation. Nous nous excusons tout particulièrement pour avoir séparé des enfants aborigènes de leur famille, de leur communauté et de leur pays. Je me lève devant vous pour présenter nos excuses aux peuples autochtones pour le rôle joué par le Canada dans les pensionnats pour Indiens. Le gouvernement reconnaît que l'absence d'excuses
a nui à la guérison et à la réconciliation. Que la France est un des rares pays au monde à n'avoir jamais cédé à la tentation totalitaire. La France n'a jamais exterminé un peuple. La France n'a pas inventé la solution finale. La France n'a pas commis de crimes contre l'humanité. La France n'a pas commis de génocide. Je pense aux victimes innocentes de toutes les persécutions dont la France doit honorer la mémoire. Mais je veux le dire, la mode de la repentance est une mode exécrable. Aujourd'hui à 19h33. Nickel, c'est on s'était vu pour un entretien sur mon exil de la Réunion. Nickel, je crois que je ne désire plus apparaître dans mon film. Hier, j'ai discuté avec des amis qui m'ont dit qu'il n'était prudent encore aujourd'hui de dire des choses contre Michel Debray. J'occupe un poste important au sein du Conseil Général et je veux pas avoir de problème dans mon travail. Je suis désolée. Même si je pense que ton travail est très important pour notre diaspora, je me rétracte. N'utilise rien de ce que je t'ai dit dans l'interview. Je te remercie d'avance. Et bon courage pour ton projet, qui, je le répète, est essentiel. À bientôt, peut-être. C'était... Tapez 5 pour rappeler, 2 pour effacer, 3 pour réécouter. Qui dicte, qui écrit, qui trace les raisons, qui écrit et analyse les raisons du départ à peine adulte vers l'exil, et de cet exil tourbillon d'expérience en expérience que mes pas guident par une quête de savoir et une volonté d'être, une volonté farouche de rester debout, d'homme loin des compromis, d'homme libre, d'homme de culture, d'homme cultivé. Cela est-il compatible avec un retour au pays natal ? Qui reconnaîtra l'enfant arraché à cette terre, de cette misère partie pour celle de l'exil, de son impatiente pensée, mesurée, gênante, de ce regard premier et de ce regard neuf. Ça s'est passé comment, le premier retour ? Un choc. Là, ça fait... Ah, je sentais mon cœur qui battait l'air comme... Puis retourner sur les lieux où j'étais dans tous les foyers. Bon, maintenant, ils n'existent plus. Ils ont tout cassé et tout ça. Mais ma petite me dit, mais pourquoi tu veux aller voir ? Je dis, mais laisse-moi, c'est mes souvenirs. Il dit, souvenirs, des mauvais souvenirs. Je dis, mais ça fait rien, c'est... C'est là où j'ai passé mon enfance. Alors, je veux... Puis maintenant, ben ça va. Je suis contente. Quand je peux, ben, j'y vais. Donc là, quand je reviens à la Réunion, donc, j'ai retrouvé ma mère 36 ans après. Ma première demande, c'était... Ma mère, c'était de lui demander comment je pourrais me faire communier sur l'île. Attendez que je m'appelle, maintenant, nom adoptif, c'est Dominique Fouché. Je m'appelle Dominique, alors que j'aimerais me faire baptiser sous le nom de Marie-Thérèse, puisque je te retrouve. Je me suis bien trouvée bête, hein, devant. Ah, Maloya, ça se danse comme ça. Ah, c'est bien réunionnais. Enfin, c'est réunionnais, c'est l'océan Indien. Maloya, Sega, c'est l'océan Indien. Et tout ça, j'ai reçu en pleine figure, quoi. En pleine figure, au lieu d'apprendre ça gentiment, le comprendre, j'ai su ça comme une enfance. Parce que, ah, tu savais pas ça, ah, tu savais pas ça. Et la question, c'est, t'es bien réunionnaise, toi ? Et ça fait mal, quoi. Beaucoup ont été comme ça. Comment peut-on imaginer un recours ou de retour à l'île de la Réunion qu'on te dit qu'on t'a abandonné, ta famille t'a abandonné, que la Réunion c'est plus ça, que qu'est-ce que tu vas trouver là-bas et puis dans ta tête c'est resté. Hein? Toi tu te vois tout petit à la Réunion et tout, en train de manger pibasse, machin et tout, mais
Là, tu es grand et le bouc est devant toi, il te dit, tu es qui, toi? D'où tu viens? Maintenant qu'on nous connaît, on me dit, ça, c'est Marmaille de la Creuse. Il dit, moi, mais là, un déporté de la langue, il comprend tout de suite. Il dit, ça, c'est un Marmaille de la Creuse. Pas un Marmaille réunionnais. Voilà, pas un Marmaille réunionnais, moi. Voilà, dis-moi ça. Il dit, ça, c'est Marmaille de la Creuse. Parce qu'on a, une population de ceux qui restent vivants qui sont un peu en décalage, un peu ni ici ni d'ailleurs, qu'on a transféré à un moment donné de leur vie et qui ont un élément, j'utilise l'expression d'un Réunionnais qui dit on m'a effacé le disque dur de mon cerveau, qui ont toute une mémoire à recomposer. Le décalage de nos rapports notera ma position de décalé toujours, mais si, comme si, à chaque fois épié, à chaque fois jugé, sur chaque geste, sur chaque pensée mise à nu. Comme si le temps premier, avait fixé à jamais les aiguilles d'une pendule dont je ne maîtrise pas le mécanisme. Comme si, à chaque acte devrait se reposer ce rapport au pays natal, ce rapport du retour au pays natal. Ce retour qui, chaque fois, différent et unique, s'enrichit de ce retour hypothétique et charnel. Non, par contre, à un moment, oui, je me suis posé la question, est-ce que je retourne à La Réunion ou pas, en tant que militant, quoi. Et là, c'est vrai que le choix se pose. Mais comme j'étais engagé effectivement avec une oreille à l'époque, donc le choix ne s'est pas fait. Enfin, c'est fait naturellement, je suis resté là-bas. Et puis après, j'ai fait cette expérience du chinois et après je suis rentré à La Réunion. Mais la France, c'est 10 ans de ma vie. Et 10 ans de ma vie d'adulte, c'est ça? C'est énorme, ça! Parce que c'est là qu'on se construit, qu'on devient quelqu'un qui fait des choix, etc. Je ne peux pas tirer un trait. Mais à maintenant, comme ça fait maintenant 25 ans que je suis revenu, j'estime que ça n'était qu'une parenthèse. Hein. Après ça, j'en sais rien, on ne peut pas faire une parallèle de sa vie non plus. Je serais resté à La Réunion, je ne peux pas dire. Qu'est-ce que je serais devenu à La Réunion? Et si au moins j'ai un bilan, je sais, ça a été dur, mais c'est des bons moments. On va essayer de retenir les bons moments. Deux fois, j'ai essayé de retourner pour y habiter. Et au bout d'un an, la première fois, j'ai tenu un an. Et la deuxième fois, 8 mois. Parce que je me suis retrouvé tout seul. D'accord. Et c'est vrai qu'il faut trouver le lien qui existe entre... Qu'est-ce qui nous rapproche? A-t-on une image commune de La Réunion? Partage-t-on quelque chose qui s'appelle La Réunion et qui est cette chose? Et on partage à la fois donc cet espace, cet endroit, cette histoire, cette culture, et on partage aussi peut-être une vision commune de l'avenir. Et à ce moment-là, on peut reconstruire les passerelles. Pour l'instant, je pense que ça, c'est en train de se faire. Donc pour l'instant, on est chacun un peu, comme vous dites, un peu entre deux chaises, mais autant là-bas qu'ici. Donc après, que ça vous fait, quoi, c'est... Il faut continuer, il faut bataille à chaque fois pour marquer, quoi, pour dire non, mais là, s'il faut aller de l'autre côté de la France, il faut aller de l'autre côté de la planète, non, mais là, non. Quand même là, nous on a ça. On va pas reprendre la chanson de Pierre Roselli en disant « la patate à manioc ». Non, on n'a pas rien que patate, on n'a rien que manioc. On a aussi une vraie pensée, on a aussi un vrai imaginaire, on a une vraie littérature, on a aussi tout ça. Puisque terre de feu, puisque terre brûlante, puisque terre marquée par le sceau de tous les malheurs et bonheurs de ce monde, ce rapport que j'entretiens est bien sûr mien, du fond de mes tripes, du fond de moi-même.
mais il me faut chaque fois mesurer le décalage entre la relation affective et l'état du pays natal. S'il suffisait juste de retourner dans le pays natal et de s'inscrire dans son paysage pour être naturellement enfant, donc légitimement bienvenu, accueilli et bienvenu. Que dans ces pages rédigées à Marseille, Milan ou Paris, reste l'empreinte de cette gêne, de cette honte, de cette peur du rapport de mon retour au pays natal. Je mesure le désir encore plus fort de m'éloigner, tout en le souhaitant encore plus fort. Même pour quelqu'un qui est ici, je sais pas, de garder un lien, si c'est vraiment enfin, son chez-lui, sa terre d'origine, entre guillemets, de garder un lien, quoi. Le retour est possible, même s'il n'est pas possible aujourd'hui, enfin, autrement, je vois pas pourquoi il pourrait pas y avoir, à un moment donné, de, je sais pas, quelque chose qui les ramène, enfin. Pourquoi le retour serait pas possible, non? Ah bah parce que moi, je me plais bien ici et je pense que le retour, non. Et on se défamiliarise, je dirais, parce que bah, ses amis, on les crée autour de soi. Ses enfants, ses petits-enfants, on pousse un peu autour de soi. Donc moi, on rapatrierait tout ça là-bas, autour de moi, ça ne me dérange pas. Réunion ou ici, pour moi, ça serait pareil. Mais bon, après, c'est aussi la vie qu'on construit autour de soi. Mais ceci dit, moi, je pense plus y retourner. Quand je te dirais franchement que quand papa, si papa arrivait à disparaître, je repartirais peut-être en vacances une ou deux fois, mais je partirais moins souvent. Là, pour l'instant, le lien, c'est la poutre qui... Le pilier, c'est papa qui est encore là, donc je pars encore à La Réunion souvent. Enfin, j'irai même une ou deux fois dans l'année. Mais après, j'irai moins. Parce que finalement, après, on a aussi une terre d'attache où on y reste, on s'y plaît, on a ses souvenirs, ses amis, ses enfants. Et en fait, la question, c'est quoi nos racines, quoi. Voilà. Est-ce que c'est un lieu ou est-ce que c'est des gens? Vous allez vite comprendre, ça s'appelle la lettre de l'émigré. Ma chère mère, mon cher père, mes sœurs et mes frères, je vous écris du fin fond de l'enfer, émigré le cœur en hiver. La parc à l'aide de pull ouvert sur moi ne me protège pas. J'ai l'impression que si je reste ici, je vais mourir de froid. Je me souviens, maman, quand je t'ai quitté, tu t'étais retourné pour que je te voie pas pleurer. Je t'avais dit, inquiète pas, où mon maman va traverser l'océan, mais moi n'a rien que pour 5 ans. Mais ce contrat, c'était du vent. Ça fait 20 ans que je trie, que je suis loin de mon pays, de ma vie, de mes parents, mes enfants me posent des questions du genre embarrassant. Chaque jour, ils me demandent à quoi ressemblent leurs grands-parents. Ils ne rêvent que de McDo, de rap, de soupe, perdu les valeurs créoles, le riz, le rougail, soudouk, si ce n'était la couleur de ces bambins. Je parierais qu'ils sont parisiens, ces 3 gamins. À ce sujet, mes clients pensent que je suis un voleur, moi leur facteur. Un simple usurpateur, quand je leur ramène leur mandat, ils ont peur de moi. Crois-tu que là-bas, les choses auraient été comme ça? Parfois, je ferme les yeux doucement, l'espace un instant. Je traverse un continent et des océans, poussé par analyse, je me mets à planer. Poussé par le vent comme un paillant que vole lentement vers le firmament, puis soudain, mon rêve tourne court. C'est un peu comme un dialogue de sourds, ai-je atteint un point de non-retour? Vais-je rester coincé à Paris pour toujours? Ma réunion, mon amour, te reverrai-je un jour? Ma réunion, mon amour, je pense à toi chaque jour. Ma réunion, mon amour, te reverrai-je un jour? Te reverrai-je un jour? Ma réunion, mon amour, te reverrai-je un jour? Ma réunion, mon amour, je pense à toi chaque jour. Ma réunion, mon amour, te reverrai-je un jour? Te reverrai-je un jour? Voilà, alors cette petite histoire que je suis en train de vous raconter, en fait, c'est peut-être, vous êtes reconnu en fait dans cette histoire, mais c'est l'histoire de mon père, en fait. Il est parti de l'autre côté de la mer, là-bas, pour trouver du travail, et il avait besoin de retrouver sa famille, il avait besoin de retrouver les siens, et moi, j'étais là, je le voyais écrire la lettre, et je me disais que moi aussi, je me sentais pas bien, et ça faisait ça. 3, 4.
Quand j'ai vu mon père envoyer cette lettre, ma gorge serrée, je me suis posé des questions sur les conditions dans lesquelles je vis et pourquoi j'avais dû vivre loin de mon pays, de mes racines. Pourquoi j'avais l'impression d'avoir perdu mes origines. Pourtant dans mon quotidien, je ne manquais de rien, matériellement parlant, rien à dire, tout allait bien. Mais il y a un manque que le temps n'a pu combler. Vivre loin de son pays d'origine, c'est pas facile à supporter. D'autant plus qu'ici les gens te traitent comme un étranger. À cela près que je suis noir, certes, les Français et d'autres plus ouverts m'appellent l'Antillais. Sachez que je suis antillais, mon réunionnais de la tête aux pieds. Parfois je dis que mes parents c'était facteurs ou chômeurs. Je me demande aujourd'hui si l'argent fait vraiment le bonheur, mais j'ai bien peur de croire que c'est une erreur, de penser que le matériel nous éloigne du malheur. Quand on a le corps à Paris mais son cœur dans son pays, un esprit naviguant entre Roissy et Saint-Denis. Les vacances ne me suffisent pas, les congés bonifiés, la vie de ma famille se trouve de l'autre côté. Mais j'enchaîne cette chaîne de vie comme un esclave s'enchaîne. Quelqu'un pourra-t-il me dire où cette servitude me mène? Et si l'erreur est humaine, je préfère tester. Ma place est à la Réunion, moi le Réunionnais. Au lieu de ça, ce sont toujours les mêmes qui se réservent chaque été, chaque hiver, leur place au soleil. Alors que toi, ici tu dois trimer dans le froid. Et comme si ça suffisait pas, on n'arrête pas de te dire qu'ici tu n'es pas chez toi. Comme si notre corps était en exil, à la recherche d'un asile. Mais tellement loin de notre île. Puis soudain, mon rêve tourne court. C'est un peu comme un dialogue de sourds. Ai-je atteint un point de non-retour? Mon île, te reverrai-je un jour? Ma Réunion, mon amour, te reverrai-je un jour? Ma Réunion, mon amour, je pense à toi chaque jour. Ma Réunion, mon amour, te reverrai-je un jour? Te reverrai-je un jour? Ma Réunion, mon amour, te reverrai-je un jour? Ma Réunion, mon amour, je pense à toi chaque jour. Ma Réunion, mon amour, un jour, te reverrai-je un jour. Et j'en place une pour tous les Réunionnais aux quatre coins du monde qui malheureusement sont pas là avec nous ce soir et qui auraient peut-être aimé être parmi les leurs. Voilà, c'était MC Léo, la lettre de l'émigré.